Bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue à cette formation de QuickBooks, introduction au logiciel comptable QuickBooks. Et mon nom c'est Lovely Barvelus, je suis informaticien, je suis gestionnaire et je suis aussi journaliste. Je suis professeur de logiciel et autre chose, ok? Mais pour aujourd'hui, on va parler de QuickBooks. QuickBooks, qui est un logiciel comptable reconnu à travers le monde pour ses bienfaits ou bien ses apports, okay, à la comptabilité des entreprises. Et rapidement, on va vous présenter le programme de notre cours, okay. Et le programme va être divisé en cinq parties. Cinq parties. La première partie, c'est ce qui concerne l'installation du logiciel, le logiciel de QuickBooks. Et après, on va parler du lancement de QuickBooks, toujours dans la première partie. On va parler aussi de création de nouvelles compagnies, nouvelles entreprises. On va parler d'ouverture d'un fichier QuickBooks. Et enfin, dans cette première partie, on va parler des notions de compte en QuickBooks. Pour la deuxième partie, on va parler d'enregistrement. Enregistrement, pardon, de fournisseurs, enregistrement de clients, de produits et enfin enregistrement d'employés. Dans la troisième partie, on va parler d'ordre d'acquisition, achat, vente et recouvrement. Et dans la quatrième partie, qui c'est avant-dernière partie, on va parler des notions de chèque, des notions de vérification, des notions de rapport, des notions d'affichage, comme l'inventaire, le bilan, état des résultats, balance de vérification, etc. Et dans la cinquième partie, qui est aussi la dernière partie, on va parler d'affichage et des notions d'impression. Ça, c'est pour les cinq parties du programme. Et en annexe, on a indexé des listes. Ces listes qui vous permettront de gérer le temps, okay, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, et à chercher soit des comptes, des noms de clients, des noms de fournisseurs ou des noms de produits. Et bien donc, et à la fin du document, et on met pour vous, bien on a mis pour vous ces listes, ok. Et parlons maintenant d'utilisation des numéros de compte. On peut parler aussi de codification, pardon, de compte. Codification de compte. Et on utilise des numéros de compte. Pourquoi? C'est pour mieux entretenir le plan comptable. Donc, on nous conseille d'utiliser ces numéros afin de mieux arranger les choses. Par exemple, on dit que les comptes d'actifs commencent par le numéro 1. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 1999. Et un compte en ayant ce numéro, on peut dire que c'est un compte d'actifs. Et ce qui est plus important, c'est le numéro 1, je crois. Okay? Parce qu'on dit que les comptes d'actifs commencent par le numéro 1. Et les comptes de passifs par le numéro 2. Les comptes de passifs, alors, de capitaux propres par le numéro 3. Les comptes de produits d'exploitation par le numéro 4. Les comptes du coût des marchandises vendues, ils commencent par le numéro 5. Et enfin, les comptes de charges d'exploitation, ils commencent par le numéro 6. Et c'est ça la codification des comptes, c'est ce qu'on nous a conseillé. On nous a conseillé d'utiliser, de préférence, des numéros de compte. Et ensuite, voyons quelques notions importantes, quelques termes très importants. Puisque le programme est en anglais et très souvent on a du mal à comprendre l'anglais. Ok. Donc il y a les équivalents de certains termes anglais. Ok. Et j'ai trouvé que c'est important de les mettre pour vous. Ok. Ou bien de les figurer pour vous dans votre support. Ici on a income. Income qui signifie revenu, comme vous pouvez voir ici. On a expense, c'est dépense. On a fixed asset, c'est actif fixe.
On a bank, qui c'est banque. On a loan, qui c'est un point, bien prêt. On a ici carte de crédit, c'est credit card. On a ici equity, equity qui c'est capital. Ensuite, on a account receivable, qui c'est compte à recevoir, c'est pour les clients. On a order current asset, qui signifie autre actif à court terme. On a order asset, qui c'est autre actif. On a accounts payable, qui c'est compte à payer. Fournisseur. On a order current liability, qui c'est autre passif à court terme. On a long term liability, qui c'est passif à long terme. On a cost of goods sold, qui c'est coût de marchandises vendues. On a order income, qui c'est autre revenu. Et enfin, on a order expense, qui c'est autre dépense. Donc, vous avez à chercher à maîtriser ces termes. Et de là, le programme ne vous sera pas difficile à apprendre. OK? Et c'était ça pour, disons, des notions préliminaires, okay? Des notions à savoir, des notions à connaître. OK? Ces notions-là qui vont vous permettre de mieux appréhender le logiciel. OK? Et maintenant, on va parler de la première partie. OK? N'oubliez pas que le programme se divise en 5 parties. Ou bien le cours se divise en 5 parties. La première partie concerne le lancement de cours. Alors, l'installation de QuickBooks. L'installation de QuickBooks, c'est ce qui est inscrit. L'installation de QuickBooks. Et après, on parlera de lancement de QuickBooks comme c'était vu avant. Et on a parlé aussi de la création de nouvelles compagnies, d'ouverture d'un fichier QuickBooks et enfin des notions de compte. Ça, c'est pour la première partie. Et maintenant, parlons un instant de l'installation de logiciels. Et premièrement, il faut avoir le package. Le package, c'est-à-dire un folder comme ça qui contient le logiciel. Un folder qui contient le logiciel. Et mais le logiciel fait des exigences. Par exemple, son ordinateur, l'innécessaire pour que vous gagniez une quantité d'espace qui est disponible pour que les programmes lui-même il est capable de chita colle. Par exemple, pour disque dur ordinateur là, et programme là, il nécessite une quantité d'espace, de même que pour mémoire ordinateur là, mémoire RAM là, ok, il nécessite une quantité d'espace tout, ok. Donc, faut que espace ça soit approprié pour recevoir et programme là. Moins quoi que pour espace disque dur là, il demande pour gagner 2 gigas d'espace, plus petit. Et pour mémoire, là, il demandait pour gagner 1 giga d'espace. Et bien voilà le package qui contient le logiciel ici. Donc si on veut, bien pour installer le logiciel sur votre ordinateur, il suffit d'ouvrir le package. Comment ouvrir? Il y a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, on peut faire un clic droit sur le package et après on choisit Open qui c'est ouvrir. Donc de là, le package va être ouvert. Autre chose, on peut y faire un double clic gauche. Ok, donc voilà encore le package ici. Et il y a là-dedans trois fichiers dans le package. Le premier fichier, c'est le code de QuickBooks. Et le deuxième fichier, c'est un autre fichier de l'application. Et le troisième, le dernier, c'est et le raccourci de l'installation. OK. Et sur le dernier fichier, on fait un double clic. On fait un double clic gauche, bien entendu, et on va attendre que le fichier soit ouvert. Maintenant, l'ordinateur nous pose une question, est-ce que nous voulons que le programme ça lui-même opérer des changements sur ordinateur. Je suis d'accord que l'installer. Nous allons répondre par oui parce que nous allons d'accord que l'installer. Nous allons répondre par oui. Nous répondons par oui. Donc, nous allons poursuivre le reste pour ces sustants. Ici, nous gagnons Next. Intelligemment, on va tout ça pour faire pour que le programme dans les mêmes lits installe. OK?
Ok, maintenant, on va devoir attendre parce que ça va le prendre. Va le prendre un petit temps. Ok, maintenant voilà. Voilà, ici on a encore Next. Et on doit cocher cette case. Ok. Et pour dire que qu'on accepte les conditions de la licence. Comme ça, on coche et puis encore on fait Next. Et l'IDI nous choisit type d'installation que nous voulons. Ok. Donc les recommandes Express. Là. Encore on nous dit Next, c'est pas difficile. Maintenant c'est le code. Le code. Et si vous ne connaissez pas le code de l'internet, vous pouvez le retourner sur package là. Vous pouvez l'ouvrir ici, vous l'ouvrir fichier ici là pour que vous entrez le code là. Mais si vous connaissez le code là dans le tout, aucun problème. Et le code là, c'est 05 35 47 04 96 59 675 537. Donc, 537 et puis 203. Donc, nous filmons le code là, c'est alors que nous allons dire Next. Et puis, il va demander si nous avons installé. Ici, regardez bien, ici, on voit dans la machine, dans l'ordinateur, par exemple, il est marqué Repair. Il est marqué Repair, c'est parce que moi, j'ai un programme qui est installé déjà. Il juste demandé si je peux réparer. Non, je ne peux pas réparer. Ok, c'est l'installation que je vais faire. Ou même, je vais installer pour la première fois sur l'ordinateur, je vais gagner Repair, qui c'est réparer. Alors, pardon, je vais gagner Install, qui c'est installer. Ok, moi-même, comme je ne peux pas installer, je ne peux pas préparer le tout, je vais dire annuler. Ok, donc leur fin choisi install que vous pral gagner là. Si vous avez un programme dans son ordinateur, vous pral tant que l'installation lui-même est finie. Donc leur installation est finie, vous avez tout ça pour faire. Ok, après ça, pour que nous avançons. Ok, moi-même, je vais annuler. Je vais dire cancel. Je vais dire yes. Ok, are you sure you want to cancel this installation? Je vais dire oui. Je vais demander si monsieur que vous voulez annuler l'installation ça. M'a dit oui parce que mon pape installé mon gel qui est installé déjà. Ça c'était pour l'installation de QuickBooks. Pour l'installation de QuickBooks. On dit où il y a un paquet dedans. On ouvre le paquet dedans. On va voir le fichier t'as compte sur mon tout à l'heure. Ok, quelques minutes avant. Qui en fichier pour que ou même ouvrir. Et maintenant. Maintenant. Nous allons rentrer dans fond programme non qui c'est le pour nous lancer QuickBooks le ou fin installer QuickBooks sur ordinateur là ou pas le sous bureau sous desktop là sous bureau ordinateur là mais raccourci programme non qui installé QuickBooks Pro 2013 mais raccourci programme non qui installé sur ordinateur là alors n'importe version de Windows ou bien on va toujours raccourci programme non sous bureau ordinateur là. Donc, c'est seulement si vous n'avez pas le passé par l'autre chemin pour lancer le programme nan, capable de faire une différence dans la version de Windows. Yo. Okay, par exemple, si vous sous un Windows 7, si vous observez avec un Windows 8 ou bien Windows 10, comme ça. Okay, donc, pour ces 140 gens différents, si vous passez par l'autre chemin, mais si vous passez par icône ou bien raccourci qui sous en bureau, hein, donc la même chose pour toute version de Windows. Yo. Ici, pour moi, lancer QuickBooks. C'est pour moi, on a parlé de lancement de QuickBooks. Première possibilité que moi j'ai, je vais faire un clic droit sous icône qui vous présente QuickBooks là. Un clic droit sous icône là. C'est alors que en premier, dans la nouvelle fenêtre qui paraît là, ok, je vais gagner Open. Open qui signifie ouvrir. Donc, le moins fait un clic gauche sous Open. Le ça me parle que programme moyen il va lancer la petit temps pour que il lance mais on va prendre patience pour que il vienne lui-même il lancer. On attend maintenant. OK. Et maintenant ici moi j'ai une fenêtre qui l'ouvre qui m'a donné un mot de passe. On met des mots de passe temps pour lancer moi pas le zoom pour que ça c'est comme ça que il paraît. Lancer. Voilà, on est capable de toujours gagner une petite fenêtre ça qui a monté au fur et à mesure. Donc, le ça, on va le gagner pour que vous
fermé là. Alors, c'est pas la même fenêtre, ça m'a fermé là. C'est pas la fenêtre, c'est là que m'a fermé là. Et c'est l'autre fenêtre. Ok. Ça aussi, c'est une petite fenêtre qui est toujours un petit problème. Donc, on va pas grandir ici, là, là. Ok. Il faut attendre. On va devoir encore attendre. Ça n'a pas marché. Ici. On va le dire tout à l'heure pour que ça, c'est comme ça que le programme va me lancer. On va le dire. Et nous allons montrer comment libérer, lancer le programme ouvrir QuickBooks pour la première fois sur ordinateur. Ok, c'est des petites fenêtres qui peut-être pas monter sur tout l'ordinateur, mais qui vont créer des problèmes. Titan, demandez-vous un petit patience. Avancez. Un petit problème ici. Un peu de patience. Ici comme ça. Ok, on maximise la page. Ok. Et oui, on va le dire pour qui ça, c'est comme ça que fenêtre ça monte. Li monte comme ça, c'est parce que on a travaillé sur le programme tout récemment et on a travaillé sur une compagnie, sur une entreprise. Donc le moins lancé QuickBooks, donc li tout monté avec nos entreprises là. Mais on va le dire, on va le montrer. Si vous utilisez QuickBooks pour la première fois sur ordinateur, comment leur lancer QuickBooks que fenêtre dans les mêmes libres affichées. Un peu de patience, nous allons dire comment et nous allons montrer tout comment programme dans les mêmes libres affichées le nous lancer QuickBooks pour la première fois sur ordinateur. Là. Ok, un petit instant. Regardez ici. Le nal sous bureau. Nous lancer le programme QuickBooks à partir de l'icône si là. Le c'est pour la première fois que nous allons utiliser QuickBooks sur ordinateur. L'app monté tant que la fenêtre ça côté, nous que je suis à passer là. Ok? L'app monté l'app affiché comme ça. Ça c'est le nous allons utiliser QuickBooks pour la première fois sur ordinateur. Là. On a bien dit, le nous à peine fini d'installer QuickBooks pour la première fois sur ordinateur là, et que nous allons l'utiliser pour la première fois tout. Mais le QuickBooks est à utiliser déjà sur ordinateur là, on pourrait l'app monter de manière différente que ça. Moi, je souhaite montrer là, par exemple, on pourrait QuickBooks est même limiter comme ça, avec toutes nos dernières compagnies que on tape travail sur les là-dedans. Ok. Maintenant, si QuickBooks monte comme ça pendant que nous tape utiliser pour la première fois sur ordinateur là, au milieu n'a gagné un côté qui marqué create a new company file. Ça c'est pour le nous pour créer une nouvelle compagnie. Le n'a utilisé QuickBooks pour la première fois sur ordinateur là. Le nous lancer QuickBooks, le lancer programme, il y a monté tant qu'on ouvre fenêtre ça. Le ça pour créer une nouvelle compagnie, nous pour cliquer sur petite image qui à côté create a new company file. Et c'est créer un nouveau fichier de compagnie. Créer une nouvelle compagnie, créer une nouvelle entreprise ici.
cette petite image. On y fait un clic gauche. Ça, c'est là qu'on a utilisé QuickBooks pour la première fois sur ordinateur là. Mais t'as comme ça dit aussi QuickBooks t'as utilisé déjà sur ordinateur là. Le ou lancé QuickBooks, Libaro, yo compagnie qui t'a travaillé sur lui déjà. On regarde ça, on prend le fait pour que vous arrivez à créer une nouvelle compagnie. Et bien là, ça, nous parlons dans le menu que nous parlons pour nous parler de lui tout à l'heure. Nous parlons dans le menu qui c'est File, le premier menu qui c'est File. File, c'est fichier. L'un clique sur lui. Les voilà ben nous new company en premier. New company c'est nouvelle compagnie, nouvelle entreprise. Le clic est new company. Les voilà voyez nous dans espace ça. OK? Et bien c'est de même le nous t'a utilisé QuickBooks pour la première fois sur ordinateur là, le nous t'a cliqué sous petit image qui est à côté create a new company file là, li même li t'a bay nous même tableau ça que nous là. Ça c'est le n'a créé une nouvelle compagnie, une nouvelle entreprise. Et bien dans petit tableau ça nous pral faire, nous pral cliquer advanced setup. Le nous cliquer ici advanced setup, li pral bay nous fenêtre ça. Voilà une fenêtre ça. Dans fenêtre ça dit marqué enter your company information. Et bien c'est dans fenêtre ça nous allons commencer à entrer des informations qui concernent l'entreprise là. OK? Donc nous allons créer une nouvelle compagnie, une nouvelle entreprise. Le ça déjà ou pral gagner en tête non entreprise ou avec toute information qui concerne il. Et moi même non entreprise pas maintenant que m'pral utiliser à titre d'exemple non compagnie que m'a utilisé m'a preler LP Group SA LP Group SA. Ici nous gagne company name qui c'est non compagnie hein? Et plus bas nous gagne legal name qui c'est non legal. Pour qui ça on met deux informations ça yo? C'est parce que ça qu'arrive non compagnie pas non légal. Si par exemple vous pouvez utiliser un nom côté que une fois que mon entendez non ça, li etan ouais de qui ça a parlé. Non ça a toujours un nom commercial alors que li pas non légal. Il en est de même que le nom commercial peut aussi être le nom légal. Par exemple, si non compagnie m'a marié LP Group SA, moi quand il est non légal dans tout LP Group SA. Le ça, moi pas besoin. Alors, dans la première case là, dans company name, moi pas besoin de descendre dans legal name là, m'a écrit encore. Mais si, parce que si m'a utilisé même non compagnie, c'est même non légal là, si même non compagnie, c'est les mêmes qui non légal dans tout. Je n'ai pas besoin de descendre à l'enlégal name pour m'écrire un autre bagage encore. Le ça m'a pris la touche tab. Donc, on touche tab qui est dans le clavier en haut à gauche. Le pris la touche tab. Là, tout bas moins. Non. D'accord. Après, non compagnie avec non légal là, je vais descendre maintenant dans suite address. Je vais mettre adresse compagnie. Adresse là, bon, si je dis c'est 43 rue de l'Union. De l'Union Fort Saint-Michel. Saint-Michel, on va toujours ajouter Cap Haïtien. Pas Cap en plus, Fort Saint-Michel. Donc on va toujours ajouter Cap Haïtien ici. Cap Haïtien, Haïti. OK. Ici le mode de ville là. La ville c'est la ville du Cap-Haïtien. C'est ville côté business, tu vois, les mêmes les situés. Le mode de code postal pour Cap-Haïtien, c'est HT 1110. Et ici la demandé moi un numéro de téléphone, c'est 31 24 75 12. Et moi voilà la partie droite là, côté que les mode de province, quand tu qui c'est pays. Et puis fax. Et non, case country. Ou quand elle marque Canada dans le programme, si là, le clic il a donné, pas gain Haïti dans la liste. On n'a pas mis Haïti dans la liste. Donc pour cela, il faut choisir order, autre.
Et order se trouve en bas. En bas. Mais si on frappe la lettre O de votre ordinateur, order va être affiché comme ça. Et si on avait choisi Canada pour le pays, ok? Donc, il pourrait le proposer au des syllabes, on dit des syllabes. Ou bien deux lettres qui ensemble, le sont pas obligé de choisir, on a eu. Pour ce qui parle, pour ce 15 pour 20 ans, il est obligatoire. Des pour être astérisque en syllabes. Mais ici, dans là, ok, sous pointeur là, des pour être astérisque en syllabes, c'est des cases qui sont obligatoires. C'est-à-dire, province, on ne va pas capable mettre. Donc, lorsque choisir order, vous pouvez mettre n'importe quelle province, mais si vous choisissez Canada, par exemple, vous avez que vous avez proposé une paire de lettres. Une paire de lettres qui va servir comme province. Donc, ici, nous cliquons dans province, donc vous mettez Cap-Haïtien parce que c'est encore Cap-Haïtien, la province de l'entreprise. Ou bien la province où est située l'entreprise. Maintenant, ici, on a email address, qui c'est adresse email. Adresse email, c'est une boîte aux lettres. C'est d'accord, un numéro de téléphone, c'est le même seul qui a bien. Deux, on ne peut pas gagner. Même adresse email, de même que deux, on ne peut pas gagner. Deux, même, ils ont même numéro de téléphone. On va le mettre adresse email là. On est capable de dire c'est LP Group SA, à commercial hotmail.com. C'est pour l'adresse email. De même que pour le site web. Pour le site web, c'est si entreprise a un site web, par exemple, donc a dit le site web c'est www.lpgroupsa.com. Et après quoi, je vais filmer toute information que vous m'avez là, c'est seulement fax en envoi. Bon, généralement, en Haïti, nous ne pouvons pas trop utiliser fax. Ok, donc ici pour le numéro de téléphone, non, pas bien problème si vous mettez 509 comme arrière-code là. Ok, si vous mettez 509, bon, c'est plus 509 bien entendu. Ok, plus 509 entre parenthèses avec le numéro de téléphone. Et après quoi, on clique sur Next. Next qui c'est suivant. Dans l'espace là. Très souvent, alors nous pas choisir rien parce que c'est nous pas le proposer propre système comptable, pas nous. Donc le fait que nous pas le choisir, yon industrie ici là là, lui-même nous pas le proposer notre propre système de comptabilité, pas là. Ok, pour cela nous pas choisir aucune industrie ici, nous dit suivant. Suivant. Et ici, il demande de nous quel type d'organisation que nous avons. How is your company organized? Et généralement, nous apprenons que nous devons choisir order none, qui c'est aucun autre. Et nous cochons et puis nous disons next. L'autre question qu'il pose, il dit nous select the first month of your fiscal year. Il dit nous sélectionner premier mois année fiscale. Eh bien, le nan nan case, nan espace sa, pardon, nan flèche sa, nan espace sa. Le nan clique, la bay nou 12 mwa yo, pwosè ke chak peyi, ok, gen yon mwa ke yo komanse anè fiskal pa yo. Men pou nou menm an Haiti, se an oktobre, le 1er oktobre, ke anè fiskal pa nou anè menm li komanse. Men nan lista nou chwazi oktobre. E apre kwa nou di suivant ki se next. Nan jan sa, li mande pou ke nou enregistre yon mot de passe, pou nante yon mot de passe. E tre souvan nou kon konseye pou ke nou pou komete mot de passe si la. Pou ki sa se si nou tabliye l, se ou bien nou mette l, nou ekri l kelke pa pou nou pa bliye l, pou se si nou tabliye l nou pa ka kontinu trabay sou program nan. Nou de se fet nou kon konseye pou ke pou komete mot de passe la, pou se ke nou pral montre yo apre si vle mette mot de passe tan, menm si se pa isi tan la, koman pou ke pou mette mot de passe tan sou fichye. Sou pa mette l, nan di next, si wap mette l tou, wap mette l la pwande pou konfirme l. Wap mette l yon pwemya fwa, et puis on va mettre même mot de passe en deuxième fois, une façon pour que vous soyez capable de confirmer mot de passe. Mais mot de passe, on va écrire par où on va laisser des petits points qui apparaissent, ou bien des petites étoiles. Donc, par où ça va mettre. Donc, il faut que vous bien sûr que vous pas oublier mot de passe. Après quoi, on fait next.
Maintenant, les dîmes, créer fichier compagnie. Le soir, il prend un petit temps pour que les mêmes lits enregistrent fichier compagnie. Il est capable même demander si vous voulez changer le nom. Donc, vous êtes capable de changer. Donc, entre temps, on clique sur Next. Donc, c'est ici demander pour que vous baillez fichier. Il y a un nom si vous ne pouvez pas garder même nom. Ça. Et nous allons pour choisir un emplacement pour fichier. Fait, c'est pour nous faire sûr que. Alors, fait sûr de côté nous mettez, nous placer fichier pour l'on a besoin pour que Noël. Moi, je vais mettre fichier par maintenant sous Desktop. Je vais cliquer sous Desktop comme emplacement. Le fini, je vais dire c'est vous parlez fichier après un petit temps pour que l'y enregistre. Parle pas un petit temps. Il y a un ordinateur qui prend plus de temps et qui prend moins de temps par rapport à la capacité de mémoire ordinateur. Ok, voilà. Maintenant, au final, enregistrer fichier. Fichier en relais LP Group SA. Fichier PAM à titre d'exemple, à titre de modèle. Ok, maintenant, il dit moi customizing QuickBooks for your business. Le ça ou pral personnaliser QuickBooks pour business ou. Eh bien, n'a bien pour nous cliquer next. Pour qui ça? C'est une interview. Regardez ici, il est écrit Easy Step Interview. Interview à étape facile. C'est une interview que QuickBooks l'a passé. Il peut faire des propositions qui sont bonnes pour le business. Il y a des propositions pour le prendre dans autour. Ça arrive au rejeter. Et à mesure que vous répondez à la question, c'est à mesure que vous répondez ça. Ok, il même la pleine. Au fur et à mesure que vous répondez à la question. Donc, on clique sur next. Next. Première question de poser au leader what do you sell, c'est-à-dire qui ça va vendre. Qui ça va vendre. Mais ça va vendre. Il dit est-ce que c'est service seulement, est-ce que c'est produit seulement, est-ce que c'est tous les deux produits ou bien service. Et généralement, nous on choisit les deux. Nous cochons both services and products et puis nous dit next. Demandez-nous alors do you sell products online, est-ce soit vendre produits en ligne. Très souvent, yo conseille nous choisir deuxième nan. Donc li dit moi pas vendre en ligne, même ta remen fait ça un jour. Le moi coché au milieu là, après ça moi dit next. Ou après que te dit ça déjà, il y a des propositions que le faire. Li dit c'est recommandé pour business son. Par exemple, il dit est-ce qu'on charge taxe sur vente. Li dit oui. Il tout coché au bout et puis il dit recommandé pour business son. Et très souvent recommandation a besoin yo. OK, dans ce cas, on dit next. L'idée, est-ce que vous voulez créer estimation à QuickBooks? QuickBooks, ici encore, c'est recommandé pour business souvent, nous dit next. Là, on a personnalisé QuickBooks ou entreprise dont son travail a fait pendant une seule fois. L'autre pour faire encore, c'est l'autre créer une autre compagnie, une nouvelle entreprise. Mais ici, dans la c'est une seule fois que vous avez fait. OK? Using statements in QuickBooks, est-ce que vous avez utilisé état ou dans QuickBooks? L'idée, c'est recommandé pour business souvent, nous dit. Donc, cliquez sur Next. L'idée est soit utiliser et facture progressivement. Ok. Nous allons avoir Invoice qui c'est facture crédit. Nous allons bien pour Noël. Ok. Donc, l'idée encore c'est recommander vos business. Soit on a dit Next. Managing bills you are. Et soit manipuler dette que vous louez comme ça. Et l'idée oui. Que les cochers oui, ils disent que c'est recommandé pour business soit. Nous dit next. Ils demandent est-ce soit pour imprimer chèque. Très souvent au compte demandé pour choisir deuxième. Pas imprimer chèque. On y a même d'armes fait ça. Bonjour. Nous cochers les nous dit next. Ici demandent est-ce que m'a suivre inventaire dans QuickBooks. Est-ce que m'a fait inventaire dans QuickBooks. M'a dit oui. Même si des cochers non, m'a dit oui parce que m'a pas le besoin faire inventaire. M'a coché yes. L'homme fini, mais cliquez sur Next. L'imade, est-ce que je m'accepte 4 de crédit? Il en est de même. Ici, m'a dit non, pas accepté qu'on a si ou pas accepté. Si entre vous pour accepter, s'il accepte, on va dire oui ou pas accepté. Mais s'il pas accepté, on va cocher, pas accepté qu'on a, mais on n'a rien fait ça. Le sam va dit Next. Il dit, mais si je m'a suivre l'un dans QuickBooks, oui, l'important, il dit tout pour rendre vous une histoire, c'est yes, c'est déjà coché. Le sam m'a dit Next. Demandez est-ce que je suis employé.
m'a dit oui parce que bien emploi nous allons enregistrer emploi et nous cocher ok nous cocher yes et puis nous allons dire next. Il m'a dit est-ce que m'a utilisé plusieurs unités monétaires ici. Faut que nous très prudents, faut que nous prenions plus de précautions pour qui ça c'est parce que tout ça nous sommes choisis avant eux. Une possibilité pour que nous retournions à choisir l'autre bagaille. Mais pour unité monétaire là, une fois que au fin choisir ou choisir ou choisir net, ici il dit ça dans message là. Il dit que une fois que au fin choisir une unité monétaire ou pas qu'à changer la cor. Do you want to trade multiple currencies in QuickBooks? N'a dit oui, n'a coché yes, le ça parle bon nouveau tableau qui va le paraître. Maintenant document vraiment dit attention, le regret la faut faire attention. Eh bien et monnaie principale ici programme qui dans programme ça c'est le dollar canadien. Et mais là nous cliquer dans flèche ça ici nous pas gagner espace ça qui marqué view more currency, c'est-à-dire voir plus d'unités monétaires. Et bien là nous cliquer sous lit ici là OK il va afficher d'autres unités monétaires pour nous côté que la donne nous pral ouais. La goud haïtienne, Haitian Good, HTG. Et bien, c'est là que nous allons cliquer sur la goud haïtienne. On clique ici sur Haitian Good. Et il parle toujours l'autre bagage, le truc qui est sur lui. Ça le dit moi. Ici, on dit que la goud haïtienne est un élément inactif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, nous allons utiliser le seul fois. Ici, nous allons rendre active. Et bien, nous allons pour choisir mais qui est actif pour que l'unité monétaire qui est la goud haïtienne. Donc okay, les mêmes divines c'est un élément qui est actif. Donc cliquez ici là. Ici nous venons gain maintenant, OK? Select your home currency, sélectionnez votre monnaie principale. Et bien c'est la goud haïtienne. Les dîmes là important. Once you select your home currency, it cannot be changed. Une fois que vous sélectionnez votre monnaie principale, elle ne peut être changée. C'est ce qu'on a dit ici. Et après, on clique sur Next. C'est suivant. Utilisation des comptes en QuickBooks. On clique Next. On clique sur Next. Et après avoir cliqué sur Next, on va ici. Select or date. Or date, si vous voulez comme ça. To start tracking your finances. L'idée de sélectionner une date pour que nous continuions à suivre finance. Il fait deux propositions. L'idée de est-ce que nous avons utilisé date que nous avons dit année fiscale nous a commencé. Le ça n'a pas pour nous cocher. Si date. L'idée est-ce que nous avons utilisé une autre date que nous avons gagné pour nous bailler là. Généralement, on utilise, on utilise 1er octobre qui c'est date que l'année fiscale a commencé pour que nous mieux faciliter tâche. Et bien, nous fait choix ça. Nous dit next qui c'est encore suivant. Maintenant, c'est des comptes que automatiquement QuickBooks pourra insérer dans le fichier noir. Dans la compagnie, alors, dans le plan comptable. Non. Donc, si nous pas besoin du tout compte ça, nous pourrons le décocher tout. Et même si vous décochez, vous pourrez gagner des comptes quand même qui pourraient venir. Nous pourrons le dire au plus devant qui ça pour faire avec compte ça. Si vous venez dans le plan comptable et que vous pas besoin, parce que vous pourrez monter propre plan comptable. Pow! Ok? Avec des comptes que vous pourrez insérer là-dedans. Regardez ici, on est en train de désactiver ces comptes. Ces comptes qui pourront être, ok, alors qui pourront apparaître, pardon, qui pourront apparaître dans le plan comptable. Regardez ici, ok, on a décoché tout. On a décoché tout parce que nous n'avons pas besoin. Et après quoi? Le film décoché tout, nous vérifions encore. Nous revérifions est-ce que tout effectivement est décoché. C'est alors que nous allons cliquer sur Next. Et bien là, moi te dis, c'est une interview que la passe et à mesure que répond à la question, c'est à mesure que casse lui-même la pleine. Moi casse la pleine qu'on est pour ceux qui nous finissent à toute question. Travaille ça sur toi pour le faire pour seule fois, t'as compris tout à l'heure. Donc pour pas le gain pour faire, c'est à chaque fois on va créer une nouvelle entreprise, une nouvelle compagnie. Ok, maintenant l'année finie là, net, nous parlons sous go to setup. Ok, go to setup ici. Go to setup. Tout seul. Et bien, c'est ici que donc fichier lui-même les fin créé et dans ce tableau ça, on va bien choisir seulement start working. Start working. Start working.
parler, on va fermer les fenêtres. On va toujours fermer parce que je n'ai pas besoin. Ok? Comme ça. Fermer les fenêtres parce que je n'ai pas besoin. Ok? Maintenant, voilà. Compagnie, fin prier. Mes pages d'accueil pour Bookstore. Mes pages d'accueil pour Bookstore. Et donc pour partir ça, on a campé là, on a bien qu'on retourne avec plus d'informations qui concernaient et reste travail. Ok, pour partir ça, on a campé là.